Bien. Alors ce soir, nous allons apprendre, enfin ce soir oui, parce qu'il est ce soir, à... Ben vous allez voir vous-même. Voilà, je coupe comme ça. Alors je prie un beau couteau aussi. Mais... Et voilà, c'est simple. J'incline le couteau. Je fais suivre en essayant de sentir l'épaisseur du pamplemousse. Ce qui donne, voilà, à peu près ça. Comme ça, je suis entre la peau blanche et le fruit, ce qui évitera d'avoir trop d'amertume. Alors, ce pamplemousse, il va être destiné à faire une petite... Il va être additionné avec quelques crevettes, une petite mayonnaise toute simple, avec des herbes, sel poivré, tout simplement. Et je vais vous montrer aussi également comment j'enlève la pulpe. Alors là, je fais la caméra en même temps, donc c'est un peu compliqué. Alors voilà, il y a des, comment dire, des tranches. Je passe entre la tranche, oui, et la peau. J'évite, vous voyez, j'évite la peau là. Je ne sais pas si on voit sur la... Oui, je pense que l'on voit. Bon, il y a plusieurs façons de faire, comme en remontant ou par exemple en descendant. Comme ça, c'est pas mal non plus. Vous prenez ici et arrivez au bout. Hop, vous dégagez. Voilà, on enlève ça. Il y a beaucoup de jus. Donc il faudra égoutter la chair du pamplemousse pour mettre dans la mayonnaise, sinon ça va la détremper. Vous découpez des petits cubes de pamplemousse. C'est carrément divin. Bon, le pamplemousse, c'est surtout le rose, là, il est très sucré. J'adore le sucre, évidemment. Évidemment. Je dis évidemment, mais c'est pas forcé. Tout le monde n'aime pas le sucre autant que moi. Et voilà. Donc là, on sent bien la... On voit bien la méthode, hein, je pense. Alors, il reste encore un petit peu parce que j'ai un peu loupé là. Mais c'est pas si mal. Voilà. Donc, je suis obligé de veiller à ce que mon film soit bien en même temps. Voilà. Donc, je vous montre les belles tranches de chair de pamplemousse qui vont être égouttées ensuite.